Les énergies de la semaine du 2 au 8 novembre 2020. Je suis Marilyn de la Brise Vagabonde. Je suis ravie de vous accueillir. J'espère que tout le monde va bien, que vous gardez le moral, la pêche, l'envie d'aller de l'avant. Hein. Voilà, bon, je ne vais pas faire trop de commentaires, c'est pas la peine. Alors, j'ai pré-tiré les cartes du Black Enchantment Oracle parce que, en fait, il y a un guidebook. Enfin, il y a des. On m'a gentiment informé qu'il y avait un PDF associé à ces cartes que j'ai découvert tardivement. Donc, du coup, j'ai tiré mes cartes, j'ai regardé le PDF pour avoir le message. Mais il faut que je vous tire d'autres cartes avant ça. Alors, l'énergie de la semaine en termes de pouvoir personnel. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quelles sont les énergies du 2 au 8 novembre, s'il vous plaît. Alors, je ne vois pas du tout ce que je filme. Donc, c'est un peu compliqué. Allez. Pouvoir personnel. I am open to receive. Rigolo. Bon, alors, je suis ouverte pour recevoir. On sait très bien que dans un parcours spirituel, on est facilement amené à donner. Les gens qui me suivent ici sont des gens qui ont du cœur, qui sont connectés à leur cœur, qui ont envie d'offrir, qui ont envie de partager. Ce sont aussi souvent des gens qui ont eu des blessures, ce sont nos blessures qui nous ont permis de nous éveiller à une perspective différente parce que si on avait eu qu'une seule grille de lecture, on aurait peut-être trop souffert et pas supporté la situation, ce qui fait que ça nous a amené vers d'autres lectures, d'autres compréhensions. Par contre, souvent dans les gens qui sont très aimants comme ça, que vous êtes, que je suis, on a du mal à recevoir. On ne sait pas recevoir parce que c'est pas quelque chose qu'on nous a appris forcément dès l'enfance, hein. On n'a pas baigné forcément dans ça. Je dis pas qu'on n'a rien reçu, pas du tout, mais voilà, il y a eu quand même en général quelque chose de difficile, ce qui fait que on a du mal à recevoir. On voudrait donner et recevoir, mais c'est difficile. En tout cas, on est en train de travailler dessus. Vous acceptez maintenant, cette semaine, de recevoir. Vous vous ouvrez à ça. C'est la carte 24, 4 et 2, 6. Les amoureux dans le tarot, l'engagement, etc. Alors, je ne vous dis pas qu'il y a forcément des histoires de cœur cette semaine, hein, d'amour. Voilà, hein, c'est pas que des histoires d'amour. C'est aussi savoir, recevoir les attentions des uns et des autres. Vous savez, moi, je pense quand même que cette histoire de confinement... merci de ne pas me mettre des commentaires survoltés sur ces histoires de confinement, parce que ça me... Il y a des gens qui, dès qu'on parle un tout petit peu de politique, qui démarrent au quart de tour, je vous bloque, hein, ça ne m'intéresse pas du tout. Je vous dis juste simplement une chose, c'est ce que je sens, c'est que parce qu'on est privé de relations sociales, les gens ont un plus grand besoin de douceur et de bienveillance les uns envers les autres. Voilà, c'est mon ressenti. C'est pas facile à mettre en place, hein, je vous dis pas ça, mais voilà, c'est le ressenti que j'ai par rapport à cette histoire de confinement. Je me dis, ce sera peut-être la petite touche positive de cette période difficile. Allez, on y va, on va prendre un message des anges. Quel ange veut nous dire quelque chose et vient nous parler de notre personnalité, de nos aptitudes cette semaine? Qu'est-ce qui ressort le plus? Oh! Alors, on a l'archange Gabriel. Donc, c'est très très rare que je tire un archange. D'accord. Bon, alors. Donc, vous voyez, c'est pas rien. Alors, Gabriel. La créatrice de cet oracle avait expliqué que quand on tirait un archange, c'était vraiment... quelque chose de puissant, de fort, un message fort. Alors, évidemment avec les archanges. Alors, Gabriel, la régénération. On met fin à ses mauvaises habitudes. Ah oui, ben ça ne m'étonne pas parce que c'est ce qu'on a dans Mildred Payne. Tout restaurer, se régénérer et guérir, la longévité. Nos intentions et nos actions sont pures. La personne arrive à appréhender les secrets de la nature et de l'esprit humain. Les éléments du passé apparaissent dans notre existence. Donc, on peut avoir des révélations sur notre passé cette semaine.
des sorties d'addiction. On a envie de se sortir de mauvaises habitudes et en prendre de nouvelles. Là, on parle de nouvelles résolutions, comme si c'était au nouvel an. Vous voyez, moi, ce qu'on me dit là, c'est comme si c'était le nouvel an. Bon, bah, très bien. C'est tout de suite, c'est cette semaine. Cette année, le nouvel an tombe un 2 novembre. Bon, tout restaurer, se régénérer et guérir. La longévité. Je sens, moi, profondément que le sport, par exemple, qui n'est pas quelque chose qui m'appelle, hein, vraiment pas, je dois me faire violence pour faire du sport, mais jusqu'il y a peu, je n'avais pas intégré la notion de longévité en faisant du sport. Alors, je ne vous dis pas que c'est une garantie absolue, hein, et de longévité, mais je me suis dit, on nous invite à croquer la vie quand même, vraiment croquer la vie, profiter de la vie le plus possible. Les gens heureux, ce sont les gens qui ne se pose pas de questions toute la journée et qui croque la vie. Et le meilleur moyen de croquer la vie, c'est quand même d'avoir un véhicule, un corps qui est en forme. Donc, c'est vrai que en vieillissant, on peut être plus ou moins à l'aise avec son corps. Hein. En vieillissant, je suis dedans, hein. Je ne juge personne. Il est évident que si on regarde des personnes très âgés, par exemple, je croise parfois des personnes très très âgées dans la rue, des messieurs alors très 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 âgés, c'est pas des dinosaures non plus, hein, mais je sais pas, ce sont des personnes qui ont plus de 80 ans. Parfois, il y en a certains qui continuent à courir dans la rue, vous voyez, ces hommes comme ça là, et qui sont restés très dynamiques. Et je me dis, mais à côté de ça, à cet âge-là, il y en a aussi peu qui peuvent autant profiter de l'espace. Donc ça, c'est un capital qu'on doit travailler au jour le jour. C'est pas une histoire de je me fais belle, je prends soin de mon corps pour qu'on me regarde. C'est pas ça. C'est je prends soin de mon corps parce que je vais pouvoir profiter, rayonner, envoyer des énergies positives à la planète ben aussi longtemps que je prendrai soin de moi. C'est ça, c'est dans cette perspective-là. Voilà. Alors, je suis désolée, je vous bassine avec des histoires de corps en ce moment, hein, mais je pense que voilà, c'est qu'on m'appelle vers ça. Allez, alors, on va prendre les énergies. De quelles énergies dont nous disposons et ce sur quoi on doit bosser. Ah non, alors en fait, bon, je vais les tirer, mais il faut que je vous parle de Mildred Payne avant. Bon, bah, écoutez, on va faire ça, hein. Je pense que ça va éclairer, Mildred Payne va éclairer ce que je vais vous dire là. Mais bon, on prend les cartes. Alors, c'est pas Mildred Payne. Enfin, si, Mildred Payne est dans l'oracle, mais ça s'appelle The Black Enchantment Oracle. Hein. Ah, si, c'est quand même Mildred Payne. Je reprends Mildred Payne's Oracle of Black Enchantment. Alors, il est vraiment. Il est picou, hein, cet oracle. Il est super picou. Alors, il vous pique pile là où ça fait mal. Et comme ça faisait un petit peu trop mal tout à l'heure, j'ai tiré les cartes et je me suis dit, je vais aller rechercher une petite carte positive. Un truc sympa, Mildred. Donne-nous un truc cool. Tu vois, en conclusion, voilà, on avance vers quoi? Et en fait, bah oui, on m'a donné un truc cool, mais c'était schlack. Bon, voilà, hop. C'est un truc cool, mais pas dont je te passe de la pommade. Alors, les cartes de Mildred, faut que je les prenne dans ce sens-là. Donc, j'en avais pris 4 et j'en ai repris une en plus pour avoir la petite pommade. Ça n'a pas trop marché, mais enfin bon. Allez, alors, on a ici une carte qui nous montre des illusions. Je vérifie que vous voyez bien, oui. Donc, vous voyez ici, il y a quelqu'un qui se regarde dans un miroir. Cette carte nous dit que soit nous, soit autour de nous, il y a des gens qui font semblant, qui sont dans l'illusion, qui ne sont pas dans leur vérité. Ça peut être des situations dans lesquelles nous sommes, on n'est pas dans la vérité. Ça peut être cette histoire de corps dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, vous adapter à votre situation, ça peut être plein de choses. En tout cas, voilà, on peut être amené, être confronté à ce genre de situation en ce moment, et évidemment à travailler sur ça. C'est pas pour vous dire vous n'avancez pas, bien sûr que non, d'accord? C'est justement parce qu'on est en train de sortir de ça, d'accord? De sortir d'un monde illusoire. C'est la carte du glamour, d'accord? Le titre de cette carte, c'est glamour. Donc tout ce qui est glamour, bah, évidemment, a ce côté très attirant, très séduisant, mais évidemment, derrière, c'est toc-toc, c'est creux, il n'y a personne, d'accord? Voilà, la matière est factice, il n'y a rien du tout. Et c'est aussi peut-être
une façon de nous dire qu'on enjolive certaines situations, on rend plus belles certaines situations, plus belles qu'elles ne le sont. D'accord? On peut avoir des situations moches, des relations moches, et dire, oh, bah finalement, c'est pas si mal, parce que si ou ça, d'accord? C'est aussi une carte qui peut nous parler de vision. C'est-à-dire que certaines personnes, là, si vous avez des aptitudes à avoir des visions, peut-être que ça va, c'est annonciateur de ça pour ceux qui ont développé cette compétence. Alors, deuxième carte de Mildred, c'était, j'ai aussi rigolé, le sabbat des sorcières. Alors, j'ai rigolé parce que c'est complètement de saison. Alors là, on nous parle d'une réunion. Alors, d'une réunion, mais qui pourrait nous pousser au vice. C'est-à-dire que il n'y a plus du tout d'inhibition, il n'y a plus du tout de retenue. Alors, évidemment, avec cette période de confinement, on comprend bien ce que ça veut dire aussi. Ça veut dire que on sait très bien que voilà, les bars, les restaurants ont été fermés parce que il y avait des abus, un non-respect dans certains endroits, à certaines heures, dans les grandes villes, par un certain type de population qui pouvait pas tenir les consignes, enfin les distances. Donc, on retrouve un peu ça ici, mais c'est peut-être aussi nous qui sommes poussés vers des choses qui nous manquent de respect, des attitudes où on se comporte comme des sauvages en société. D'accord? Il peut y avoir un peu de ça. Cette carte aussi, donc on vous met en garde contre d'éventuels rituels dangereux aussi. Hein. Bon, moi je rentre pas là-dedans. Vous verrez si ça vous parle, mais voilà, vous voyez ce qu'on vous propose aussi comme type de soutien spirituel. Voilà. Ça ne concerne pas tout le monde. C'est une petite mise en garde. Donc cette carte, elle peut aussi annoncer une réunion, une célébration, un couronnement par rapport à quelque chose. Et là, je pense que c'est un couronnement, une célébration par rapport à quelque chose de positif, par rapport au fait de sortir de nos illusions. Mais alors, pour sortir de nos illusions, voilà ce qu'il va falloir qu'on fasse. Donc, ce qu'il faut faire, c'est couper les têtes. Donc, vous voyez, ça, c'est la carte du jardinier, de la jardinière. Elle évacue tout ce qui ne lui convient plus. Elle coupe la tête. Alors, c'est radical, c'est clair et net, hein, il n'y a pas d'hésitation. Ça me casse les pieds. Hop! Je l'enlève, cette personne est toxique, elle sort. Donc en fait, toutes les personnes qui sont trop critiques, qui sont destructives, s'en vont. On nous invite à vraiment éliminer toute forme de négativité. Voilà, tout ce qui est négatif s'en va. Pourquoi? Pas juste pour vous, pas juste pour moi. Alors évidemment, c'est un confort de vie au départ, hein, d'évacuer les gens qui vous empoisonnent. Mais c'est aussi que ces gens continuent à polluer, à envoyer leurs énergies à la société et donc à la Terre, à l'univers. Et donc il est évident qu'on ne peut pas ne pas se sentir responsable de ça. C'est-à-dire qu'en étant trop compatissant avec des personnes qui sont fondamentalement négatives en permanence, eh bien, écoutez, on finit par les laisser vivre. D'accord? C'est comme si on disait, bah oui, ça c'est une très mauvaise herbe pour mon jardin. Mais c'est pas grave, comme moi j'aime la nature, je respecte la nature, je vais la laisser. Bah oui, mais elle est envahissante, elle est invasive et elle va détruire toutes les autres plantes de votre jardin. Donc il y a un moment où même en disant bon bah voilà, je dois parler à la nature, je dois la respecter, je ne peux pas couper un arbre comme ça, c'est un manque de respect pour l'univers. Bah peut-être, mais en même temps, si ça vous envahit, ça étouffe tout le reste de la communauté et que c'est invasif. Voilà, il y a un moment, il faut savoir couper les têtes. Je prends l'exemple des plantes, mais voilà, ça peut être la même chose pour les personnes. Et pensez bien à toutes les énergies négatives que les gens peuvent renvoyer à l'univers. Voilà. Et nous, par bienveillance, on leur accorde des circonstances atténuantes et on les laisse faire. On se dit, bah oui, mais il faut pardonner, il faut comprendre, il faut ceci, cela. Alors oui, peut-être, on n'est pas là pour les juger. On n'est pas là pour les encourager non plus, en fait. On est là pour leur mettre des limites. Voilà, je pense. Ensuite, alors, ici justement, on nous donne la technique. Comment faire? Alors en fait, il faut faire comme ça. Donc, vous voyez, c'est sympa, on n'y va pas. Faut pas y aller avec le dos de la cuillère. Hein. Il faut attaquer. Donc cette carte s'appelle l'attaque. Et donc en fait, on vous dit de vraiment attaquer le problème à bras-le-corps. Il faut être sans merci. C'est une carte qui dit soyez sans merci. Pour les situations qui sont empoisonnantes, qui sont illusoires, qui sont fausses, qui sont creuses, qui sont toxiques, qui sont voilà, on évacue, d'accord, qui sont plombantes moralement, on évacue
Et on ne se laisse pas faire. Alors c'est là que j'ai trouvé que, bon, j'ai dit ok Mildred, mais bon, on voudrait bien une petite carte de réconfort. Qu'est-ce qu'on va avoir si on fait ça? D'accord? Est-ce qu'on va être récompensé quand même? On va avoir un petit, vous savez, moi je suis comme l'âne, hein, s'il n'y a pas une carotte, je veux un petit sucre à l'arrivée, quoi. Et vous aussi, je pense. Alors, ben, le petit sucre à l'arrivée, alors il est de courte durée, hein, c'est, il y a quand même une récompense, hein, il y en a une. Mais cette oreille me fait beaucoup rire. On a vraiment l'impression de prendre un coup de pied dans les fesses. Et genre, j'y retourne et puis on me reçoit avec un coup de pompe dans le derrière en me disant, bon, écoute, c'est pas la peine de demander trop de douceur. Voilà ce que tu auras. Donc, ce qu'on aura, c'est ça. C'est qu'en fait, ça va éviter ce genre de situation. Ça va éviter qu'on vienne nous piquer notre énergie en douce. Ça va éviter qu'on ait à se justifier par la suite. C'est-à-dire que quand vous entretenez une relation qui est peut-être un peu, un peu bof, où il faut y mettre beaucoup d'huile, il faut, voilà, il faut être conciliant, il faut machin. Bon, voilà, au bout d'un moment, de toute façon, vous vous retrouvez coincé. Donc, en gros, ce qu'on nous dit ici, c'est que ça va éviter de perdre de l'énergie par la suite, d'avoir à se justifier, d'avoir à... On va gagner du temps en fait, c'est ça. C'est pour que ça n'arrive pas. D'accord? Donc, bon, ben, c'est sûr, c'est un réconfort. C'est une forme de réconfort. Allez, on y va. Alors, les énergies dont on dispose. Un homme qui tient à cœur, tiens donc, patience. Ah! Eh bien, ladies and ladies, et messieurs aussi. Il y a quand même là une personne qui a des sentiments, qui a quelque chose pour nous. Son cœur bat pour nous. Mais cette personne n'est pas là. Donc voilà, il faut être patient. C'est quelqu'un aussi qui sans doute essaye de travailler sur son cœur. D'accord? Voilà, en tout cas, on est en train d'apprendre aussi à patienter. C'est-à-dire à comprendre que certaines situations... font qu'on ne peut pas forcément être ensemble ou voilà, mais il y a quelque chose. Les efforts, enfin ce sur quoi on doit travailler. Ah, le chakra de la gorge et oh là, et le chakra racine. D'accord. Alors, ce qu'il faudrait surtout pas faire, c'est s'il y a une histoire de cœur dans votre tête, rigolo ça, une histoire de cœur dans votre tête. C'est cogiter en permanence dans l'attente d'une personne. Non, non, non. On nous dit de travailler notre ancrage. D'accord? Peut-être qu'aussi que cette personne ici, cet homme-là, a du mal à venir vers nous parce qu'il a lui aussi des questions d'ancrage à régler. Peut-être que si vous êtes très spirituel, on attire souvent des personnes qui le sont moins. Hein. C'est souvent en guidance que vous me dites, moi, mon amoureux ou mon amoureuse, elle n'est pas du tout là-dedans. Donc ça veut dire que ce sont des personnes qui, peut-être à l'inverse de nous sont parfois trop ancrés. Ils ont un excès dans le chakra racine. Donc, ça va être des gens très terre à terre. C'est difficile de les sortir de leur situation très très figée. Ça peut donner des gens qui sont un peu bloqués, un peu obtus. Enfin, voilà. Il n'empêche que là, on vous invite à travailler, vous, sur votre ancrage. Sauf si vous avez l'impression que vous êtes dans l'autre, hein, mais ça m'étonnerait dans les personnes qui me suivent. Je pense que vous êtes plutôt comme moi à partir dans de la légèreté, des cogitations diverses et variées, et qu'au bout d'un moment, il faut gérer le quotidien. Donc, on gère le quotidien, c'est ça qui va vous aider, d'accord? Et on essaye de travailler le chakra de la gorge, les communications. Donc, il y a peut-être des difficultés à communiquer, hein, ça c'est évident, là, ça se voit de toute façon, patience, c'est bien que c'est compliqué. Peut-être que vous êtes en train d'apprendre à communiquer différemment, sans violence, mais peut-être plus fermement, hein, avec cette histoire de Mildred Payne, là. Peut-être qu'il faut être plus ferme, moins conciliant, mais pas pour autant tomber dans l'agressivité quand ça déborde. Et puis surtout cette histoire d'ancrage. Alors on m'a demandé l'autre jour en guidance, on me disait mais comment on fait pour travailler l'ancrage? Alors il faut manger des légumes racines, il faut aller au contact de la nature. Je sais, c'est moi je suis dans Léon Centre, c'est quasiment impossible à faire, mais ça peut être se reconnecter au territoire aussi. C'est-à-dire que là les villes vont être un petit peu endormies. Et peut-être que si on sort à des moments où justement il y a peu de monde dans la rue,
L'espace peut nous parler un petit peu de la même manière que la nature nous parle quand quand on est en forêt ou quelque chose comme ça. Si vous avez la chance d'être à la campagne, c'est royal. Manger des légumes racines, aller au contact de la nature et puis être dans le concret, c'est-à-dire faire des tâches quotidiennes, des choses, je sais pas, moi, faire le ménage, faire du rangement, faire votre boulot. Voilà, si vous appliquez un rythme, une forme de rituel, structurer les choses, voilà, tout ça permet de travailler votre ancrage et ça va vous permettre de patienter et de stabiliser vos énergies. Peut-être pendant que cet homme, lui, a justement besoin que vous, si vous êtes connecté à cette personne, lui, il a besoin d'être dans une forme de stabilité, d'accord? S'il n'est pas prêt, il a besoin que vous soyez dans la stabilité, d'accord? Si vous êtes prêt, que lui n'y est pas, parce que vous lui envoyez de l'énergie. Donc, il faut que ce soit une énergie source, une énergie fondamentale et calme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose de stable, voilà. Allez, alors je sens que ma vidéo va encore être trop longue, je blablate. Allez, on prend ces cartes. C'est pareil, ça c'est de l'interprétation pure. Il y a un guidebook, c'est Vision, l'oracle des visions. Oracle of Vision, il est en anglais par contre, je crois qu'il n'existe pas en français celui-là. Mais il est fait pour être lu sans regarder le guidebook. Alors moi je ne regarde pas le guidebook, on verra bien. Alors, on nous parle de paix, de légèreté, de créativité et de regarder ailleurs. Alors, ici, il y a vraiment cette sensation d'être dans de pouvoir s'élever spirituellement en étant dans le calme, dans la paix, hein, les colombes, c'est ça. En se laissant porter par cette paix, parce que là, il s'envole littéralement grâce aux colombes. On m'appelle encore sur le corps, travailler le sport, d'accord, pour être bien et pouvoir franchir des étapes. Je pense qu'on franchit une étape, mais dans la légèreté, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit quelque chose de pénible et pour que ça ne le soit pas, qu'on puisse s'ouvrir à autre chose de différent et voir la lumière ailleurs, il faut absolument qu'on se connecte à notre créativité, d'accord. On a des choses à produire là, des capacités. On a une grande abondance, on a une grande richesse en nous, on est vraiment porteur de quelque chose de très généreux. Mais peut-être qu'on a du mal à le voir encore, d'accord? Ici, on est appelé par autre chose, quelque chose de nouveau. Donc pour aller vers cette nouveauté, travaillez votre créativité, osez vraiment... faire ce que vous n'osez pas faire, c'est-à-dire y mettre votre touche d'originalité dans ce que vous créez, et puis soyez en paix, cultivez votre paix. Cultivez votre paix, on n'a rien à prouver en fait, hein, même en termes de créativité, on n'a juste strictement rien à prouver. Il y aura toujours des gens qui vont faire mieux que nous, puis il y en a d'autres qui feront moins bien que nous, et puis ce n'est pas une histoire de mieux ou de moins bien en fait, c'est ça, le terme n'est même pas bien choisi. Il faut libérer quelque chose, mais c'est pas, ça ne doit pas être un accouchement dans la contrainte. Vous voyez, c'est quelque chose de fluide, de beau, de doux. On se laisse porter et on crée ce qu'on a envie de créer parce que c'est ça qui va nous ouvrir de nouvelles portes. Alors, ah ben voilà, j'ai oublié mon petit Lenormand, moi. Bon, ben écoutez, on va faire sans, tant pis. Alors, le tarot. Ah, ça m'embête quand même de ne pas avoir mon petit Lenormand. Bon. Je vais aller en chercher un. Et j'essaierai de faire vite. Bon, alors là, on va faire rapide aussi. L'énergie de la semaine du 2. Oh, 9, alors 5, 5 c'est pas terrible, mais bon. Alors, on a un page de coupe, donc nouvelles émotions, l'envie de... Je vous montre parce que ce tarot est vraiment adorable, il me fait rire.
Nouvelles émotions, l'envie de partager de nouvelles émotions. Et derrière, j'ai un 9 de coupe, hein, donc ça, c'est cool. On avance vers ça. Alors, la reine de pentacle, là-bas, c'est bien. Alors ici, c'est vraiment une guérisseuse. Hein. La reine de pentacle, ici, c'est, elle incarne la... Oui, la soigneuse, la sorcière verte, la femme bien ancrée, mais elle a tous ces petits trucs pour faire ses petites potions là. Une petite tête de mort, elle a des sous. Alors c'est quelqu'un qui gère bien son foyer. Derrière, j'ai le 2 de bâton, le 7 de... Oh. Alors voilà, c'est fou ça. Tout à l'heure, avant le tirage, mais c'est de pire en pire. Je me suis dit, ce serait bizarre si on avait la roue de fortune. Je ne tire quasiment jamais la roue de fortune en ce moment. Et même pour moi, hein, dans mes tirages, ça fait une éternité que la roue de fortune n'est pas sortie, je crois. Alors sauf si pour d'autres personnes, mais pas pour des énergies générales. Et là voilà. Donc, comme quoi il y avait bien un truc bloqué et comme quoi ça se débloque. Ici, on voit qu'on nous invite vraiment à incarner la reine de Pentacle, c'est-à-dire à nous occuper de notre foyer, à nous occuper des autres. On est bien dans nos baskets, on est cool. Même dans des situations qui peuvent être un petit peu où on nous a peut-être manqué de respect, on a un petit peu joué avec nous, on a essayé de nous rouler dans la farine. On nous invite aussi, nous, à être stratégiques aussi, hein, d'accord? À pas être plus bête que l'autre, hein. Voilà, c'est un peu ça. Ça ne veut pas dire œil pour œil, dent pour dent. C'est pas ça, mais c'est aussi être stratégique. Parce qu'on a envie on a envie d'autre chose. On a envie d'aller ailleurs, là. Avec ce 2 de bâton, on nous invite à réfléchir sur ce qu'on a, à faire la lumière sur ce qu'on a, mais c'est très certainement qu'on a envie d'aller ailleurs parce que de toute façon, on a la roue de fortune et on a un 8 de coupe qui nous invite justement à tailler la route et à partir ailleurs. Donc je pense qu'on va s'éloigner progressivement, tranquillement, laisser faire les choses hein, peut-être par rapport à des situations où on s'est moqué de nous. Quelqu'un n'a pas été honnête. Oui, on se défend. On se défend ici. On défend notre territoire. Je vais en mettre une parce que c'est bizarre. En fait, je trouve que... Moi, je crois qu'on a surtout de nouvelles envies, en fait. On se protège en ayant de nouvelles envies. Mais je ne nous sens pas tellement dans la défensive. C'est pour ça que c'est une forme de protection. D'accord? On incarne une valeur sûre, une femme stable, quelqu'un de bien ancré qui va savoir trouver la bonne stratégie pour se protéger et aller explorer sa créativité, hein, trouver le feu et partir sur quelque chose de nouveau, mais en reprenant notre destin en main. Il y a quelque chose qui va se débloquer là. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Ça peut être quelque chose de karmique, évidemment. Et on laisse derrière nous ce qui ne nous convient plus. Donc, on peut être un petit peu seul, se sentir un peu seul. Oui, voilà. Alors, ce qui ne nous convient plus, c'est les blessures de cœur. Hein. Donc là, c'est bon. On les laisse derrière nous. Comme si on disait, bon, c'est bon, on a notre dose maintenant de blessures de cœur. On sait, on ne va pas se les trimballer comme ça éternellement. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est je pars sur autre chose. Et cette roue de fortune, elle nous dit quoi, la roue de fortune? Elle nous dit le 4 de coupe. Elle nous dit qu'elle va nous sortir de l'ennui, je pense. Pour l'instant, il se passe peut-être pas grand-chose. Il ne s'est pas passé grand-chose, mais je pense que... Alors, s'il ne se passe rien, c'est qu'il faut laisser faire les choses aussi. Laisser faire le destin. Ça peut être ça, dans un premier temps. Il y a certaines personnes aussi qui ont raté des opportunités, là, on me dit. Vous avez raté des opportunités parce qu'il y avait trop de blessures de cœur. Et que... Je pense que la roue va tourner par rapport à ça. C'est-à-dire que des gens qui auraient raté des opportunités, il y a peut-être la possibilité de qu'elle se représente cette opportunité, d'accord? Mais il faut travailler son ancrage. C'est toujours pareil. C'est pour les personnes qui vont être bien ancrées, bien stables dans leur vie. Voilà. Voilà ce que j'ai avec le tarot. Alors, je vais aller chercher un petit Lenormand. Et puis, on va compléter un petit peu. J'arrive. Alors, je vois pas.
ma vie. Allez, je reprends. Alors, les énergies pour cette semaine du 2 au 8 novembre. Alors, je pense qu'on peut demander de l'aide à Gabriel hein, cette semaine-là. C'est le moment. Hein. D'ailleurs, on va le laisser avec nous là. Je sais pas si je le mets comme ça. Énergie pour le collectif la semaine du 2 au 8 novembre ou plus tard, hein. Vous savez bien si vous tombez sur les vidéos plus tard. Ah bah, là j'ai la tour qui s'est retournée. Alors on a les nuages, donc peut-être qu'il y a des choses qui prennent du temps, qui prennent un peu de retard, il peut y avoir des confusions, des choses qu'on ne voit pas très bien, mais voyons voir ce qu'on nous dit d'autre. Ah, les conversations, la communication. Ce sont les conversations légères, romantiques. Alors, pourquoi une femme? Il peut y avoir une femme très romantique. Ou... Alors, peut-être que vous passez du temps, mesdames, à discuter, à parler d'amour. Hein. Vous voyez, c'est un peu ça. Voilà, c'est une énergie qui ressort beaucoup. On vous invite aussi à être dans la légèreté, évidemment. Pour pouvoir être romantique, il faut aussi être dans la légèreté. Il ne faut pas plomber vos conversations avec des choses trop, trop plombantes. Hein. Alors, là, il y a un couple bien ancré ici qui attend, mais qui... 27, c'est la lettre. Qui pourrait s'écrire, mais il y a quand même cette histoire de lumière là qui a besoin. Je pense qu'il y a, il y a des couples qui sont bien attachés l'un à l'autre, qui ont besoin de se parler, qui ont besoin de s'écrire, qui ont besoin de faire la lumière sur certaines choses, mais en étant dans la légèreté. Alors, on a les poissons. Ah bah, oh, bah si je retourne les cartes retournées, moi ça s'arrange pas. Oui, alors on voit ici très clairement qu'il y a... On était un peu enfermé hein, dans le passé sur le plan émotionnel. Il y a... Alors peut-être aussi que cette semaine, ça va ressortir. Normalement, on sort un peu de cette énergie-là. On voit aussi voilà, que sur le plan émotionnel, il y a un peu des hauts et des bas. On ne sait pas trop où on est un peu brassé. On nous invite à voir les choses différemment, à intégrer toujours cette même chose, hein, nos parts d'ombre. À voir les choses, voilà, à prendre de la hauteur, mais peut-être qu'on était un petit peu enfermé par des ruminations, par un peu de nostalgie, un peu d'angoisse, un peu de... Vous voyez, il y a, voilà, ça nous touche. Mais, il y a ce lien, il y a bien un lien qui est là, et il pourrait y avoir peut-être des nouvelles. Alors, on coupe, la femme coupe... avec ce qui se répète. Donc on sort de schéma répétitif là, complètement, vous voyez. La femme coupe avec quelque chose qui se répète, avec de la fatigue, avec de la lassitude, il y a quelque chose qui vous a usé. Et vous allez rompre avec ça, mais c'est pas étonnant, hein, c'est notre carte du... Voilà, c'est toutes les attaques qu'on avait là, ça ressort. Il y a un lien qui est coupé. Ici, on voit que on retrouve une forme d'indépendance. Hein. Les poissons, c'est le travail indépendant. Alors, sur le plan professionnel, il peut y avoir justement... de toute façon, on est isolé un peu cette semaine. Enfin, les semaines à venir, certaines personnes. Justement, il y a une distance. Il y a un isolement. Peut-être ici, on rompt des liens... pour être plus dans l'indépendance, d'accord? Donc, ça peut être, voilà, ça peut être en rapport avec le confinement. Ça peut être aussi, tout simplement, qu'on rompt des liens par rapport à des personnes qui ne... On rompt des attachements, en fait, hein, qui nous, sans doute, qui émotionnellement nous bloquaient. Alors, on peut aussi avoir pour certaines personnes, bon, une lettre d'une administration, un courrier de... un truc pas cool.
d'une administration, un truc, une lettre de rappel ou une lettre de rappel d'une administration ou un truc qui vous casse les pieds ou je sais pas ce que ça peut être, mais là ça ressort. Bon. On fait aussi. Peut-être aussi que inconsciemment on est en train d'apprendre à communiquer différemment là. Ça ressort. Parce que je pense que il peut y avoir des mots très durs, des lettres avec des courriers très durs, et là on vous invite à prendre du recul par rapport à ça. Donc c'est encore cette histoire de chakra de la gorge. Peut-être aussi que certaines personnes sont fermées. Alors excusez-moi, ça va être un peu direct, mais. À la communi certaines personnes sont fermées à la communication par rapport à la sexualité. Peut-être que vous recevez des messages à caractère un peu sexuel et vous vous fermez à ça. C'est inconscient, mais vous en voulez pas. Oui, on montre un peu les crocs avec l'ours là. On se protège. Alors, on va en remettre une ici. Il y a quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être aussi en rapport avec les enfants. Ça revient très souvent aussi, les enfants. Il va falloir peut-être avoir des conversations au sujet des enfants. Et là, on coupe des liens pour le bonheur, hein. Vous voyez, on coupe des liens, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour quelque chose de joyeux. Alors peut-être aussi que malheureusement il y a des annulations d'invitations. Alors évidemment avec les en ce moment c'est pas étonnant. Voilà ce que j'ai pour le petit Lenormand. Je vous fais un tirage en trois tas pour l'amour et je vous retrouve tout de suite après. Merci. Allez, on est parti. Finalement j'ai fait que deux tas. Je vais vous mettre un dé. Vous allez choisir votre tas et on prendra des cartes de Doreen Virtue en plus. Oh. C'est plutôt j'ai la pétoche, hein. Bon. Bon. Oh, quel tirage cette semaine. La tour. Eh bien, avec ça, je pense que entre ceux qui sont enfermés et ceux qui ont peur, hein, qu'est-ce qui nous reste? Bon, alors. Allez, on rigole un peu les copines, hein, les copines, les copains. Allez, rigolons, rigolons. Bon, arrêtons d'avoir peur. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Je voulais pas prendre un autre oracle, moi. Non, bon, comme ça. Le challenge. Ah, il y a un défi. Alors vous êtes dans une situation de défi à relever, ou alors vous avez l'impression que vous êtes un défi pour quelqu'un, peut-être. Je ne sais pas. Alors, comment j'ai tiré ces cartes? Je les ai tirées comme ça. Alors là, j'ai le pape. Oh là là, le 2 de coupe. L'as de bâton. Et bien avec ça. Et le cavalier de bâton. Waouh! Bon, est-ce que. En fait. Pardonnez-moi, je suis écroulée de rire. Parce que. En fait, c'est des super belles cartes. Mais alors, le cavalier de bâton, il a la trouille, c'est terrible. Donc, en fait, pardon, on va se calmer. Donc écoutez, ici, il y a vraiment il y a une personnalité forte hein, avec le pape. Il y a quelqu'un qui est prêt à s'engager. Ça représente justement une relation un peu très sérieuse en fait. Hein, le pape, c'est celui qui prononce le mariage. C'est vraiment une carte où on a une personne. Alors, ça peut être une personne un peu égotique aussi, hein, parce que le pape, il est quand même un peu rigide. Quelqu'un qui peut être de bons conseils pour les autres, évidemment. Alors peut-être qu'on pourrait vous conseiller aussi cette semaine par rapport à l'amour. En tout cas, il y a vraiment une situation dans laquelle on trouve un équilibre, un hein, 2 de coupe, vous voyez, c'est donnant-donnant. Il y a vraiment de l'amour, c'est la carte de l'amour avec de nouveaux désirs et l'envie d'aller de l'avant. Donc je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui a envie de venir vers vous. Qui ressent des choses fortes pour vous, mais alors c'est un défi. Il est possible aussi que ce soit votre propre défi, c'est-à-dire que
Les personnes qui sont en contact avec personne du tout, d'accord? Qui sont en retrait, qui sont seules, qui. Voilà. Votre défi, c'est justement d'aller chercher ça. Vous avez envie de ça, vous avez envie d'un 2 de coupe, mais il va falloir bouger pour y arriver, d'accord? Et vous avez peur. Ça peut être ça aussi, d'accord? Donc si personne ne se présente avec des sentiments que la personne partage avec vous en ce moment autour de vous, c'est parce que l'univers attend que vous fassiez, vous, cette démarche. C'est-à-dire que vous alliez à la conquête de, à la conquête d'un cœur, de quelqu'un. D'accord? Voilà. C'est quelqu'un ici, là, si vous avez une personne en tête, c'est quelqu'un qui a beaucoup de désir. Hein. Il y a vraiment beaucoup de désir sur la relation, là. Hein. D'accord? Parce qu'on a les bâtons. Le bâton, c'est un symbole phallique. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? La romance. Hey. Mais ça fait peur. C'est ça le problème. C'est que c'est un défi parce que ça fait peur. Ça nous confronte à nos peurs. Je rigole, mais vous savez bien que je suis dedans. Hein. Voilà. Donc, mais je pense quand même que le cavalier, là, il est quand même un peu la pétoche. Hein. Alors, bon. Romance. He looked at her just then. Il l'a regardé juste à ce moment-là. Alors que la lumière du soleil du matin descendait, enfin déferlait en cascade sur ses formes, et alors qu'elle était allongée près de lui. Il s'assit et a pris gentiment sa main et l'embrassa. Un simple geste qui. In that moment spoke a million emotions. Un simple geste qui traduisait un million d'émotions à ce moment-là, sans avoir à dire un seul mot. Voilà. Donc il y a vraiment une histoire romantique, hein, d'accord, qui arrive ou qui vous tourne autour. Le problème, c'est juste la peur. Alors, très bien, très beau tirage. Ah ben, pardon, 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 on va quand même se faire. Allez. Attirez votre âme sœur, vous voyez, l'engagement. Laissez une chance à votre relation. Bon, écoutez, c'est complètement explicite, hein, que vous soyez seul ou pas. Si vous êtes seul, il faut absolument que vous vous donniez la chance d'aller chercher un partenaire. Voilà. Si vous avez déjà fait cette démarche, que vous êtes en quête de quelque chose, enfin voilà, que vous avez déjà une personne en tête ou voilà, ou une attitude positive face à ça, bah écoutez, voilà, vous êtes en train de développer cette aptitude, mais on vous met face à ces défis. D'accord? Et rappelez-vous, on ne doit pas accepter tout et n'importe quoi. Ça, c'était nos cartes de. Ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Voilà. Est-ce que vous allez surmonter ce défi? Est-ce que vous allez rester coincé sur vos peurs ou pas? Voilà. Alors, voyons voir qui est ce cavalier. Alors, ça peut être un thérapeute, hein. Ça peut être un signe de feu. Sagittaire, lion. Je ne vais pas y arriver. Sagittaire, lion, bélier. Oh, ça klaxonne là. Bon, voilà, je vais arrêter là parce que sinon ça va être trop long. Je vous embrasse fort, je vous dis à tout bientôt et je passe au deuxième groupe. Deuxième groupe, vous avez choisi la tour. Alors, ah bah alors j'ai retourné ça tout de suite, donc j'aurais pas dû, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a? Inspire. Être inspiré. Ici, on a le cavalier de Pentacle, le 4 de denier, le 10 d'épée, le 7 de coupe. Alors, bon, alors vous êtes sur un nouveau départ, hein? D'accord? Clairement, vous êtes sur un nouveau départ où il y a une personne aussi qui est sur un nouveau départ. Quelqu'un. Ça peut être votre énergie à vous, ça peut être l'énergie de votre autre. Voilà. C'est une personne qui avance très très lentement. Ça peut être un signe de terre, taureau, sagittaire. Non, qu'est-ce que je vous dis moi? Taureau, capricorne, vierge. Quelqu'un d'un peu.
de bien ancré à la terre qui a du mal à se remettre en cause, hein, d'accord? Quelqu'un de bien accroché à ses valeurs, pour qui c'est difficile d'avancer et qui... Alors, ouais, moi j'ai envie de vous dire ici, peut-être qu'on vous montre que cette personne vous fait du mal, vous a fait du mal et qu'il y a des illusions par rapport à cette personne. Alors, des illusions, hein, pas... Il va y avoir des illusions, ça certainement. On vous invite à vous laisser porter, à mieux comprendre. Je vais en remettre sur une Inspire. Peut-être que cette personne vous inspire, mais moi j'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un de fermé et que la relation, elle doit vous apporter une élévation, mais je ne suis pas sûre que ce soit avec la personne. Il y a des illusions parce que c'est quelqu'un, vous arrivez en fin de cycle, vous arrivez au bout de quelque chose là, et peut-être que vous vous accrochez encore à des valeurs anciennes qui sont pas forcément les vôtres, ou vous vous trompez et vous devez partir sur un nouveau départ. Vous êtes porteuse d'autre chose, porteuse, porteur d'autre chose que cette situation. Alors, je pense que s'il n'y a pas du tout de personne autour de vous, c'est que c'est votre énergie, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est Inspire? L'harmonie. C'est difficile de vous dire. On va voir ce que j'ai après en synthèse. Ici, soit c'est votre énergie et vous êtes en train de vous libérer de choses auxquelles vous vous accrochiez. Il y a peut-être des questions financières à régler aussi sur votre situation, sur vos situations amoureuses, qui fait que ça peut bloquer. Soit vous êtes trop attaché à la matière, soit ben, vous êtes dans des difficultés financières et vous gérez mal votre budget et ça peut impacter aussi, c'est-à-dire que ça ne vous permet pas de vous rapprocher de quelqu'un, c'est possible. Il y a des grosses blessures par rapport à ça, vous avez des choses à comprendre par rapport à l'argent, très certainement, mais aussi par rapport à ce... Au fait de s'accrocher à des choses parce que ça vous rassure. Mais ça vous a rassuré un temps, mais ça vous bloque. C'est une illusion. D'accord? Ce qui vous rassurait, ce à quoi vous vous accrochez, c'est une illusion. Donc, on vous invite à avancer vers une harmonie, hein, mais à être à sentir un peu le vent, enfin voilà, à comprendre un petit peu ce qui se passe. Ce en quoi vous êtes enfermé ou la personne de votre cœur est fermée. C'est possible aussi, d'accord? Mais bon, là, on a quand même, on a des choix à faire. Il y a des choix à faire ici. Il y a des choix à faire, mais il faut faire un deuil. Il faut partir d'une situation. Il faut enterrer quelque chose qui vous blesse, qui n'avance pas peut-être, hein, justement. Une situation avec une personne qui est un peu fermée. En tout cas, vous êtes porteur d'autre chose, d'accord? D'une nouvelle énergie. Alors, est-ce que c'est sur le couple? C'est possible si vous êtes en couple depuis longtemps. Voilà, peut-être que vous pouvez régénérer l'énergie du couple. Certaines personnes, peut-être aussi, il peut y avoir des enfants, des grossesses. Mais je pense aussi que le message, c'est d'aller chercher une autre énergie différemment ailleurs. On va voir ce que j'ai là. Pour vous sortir d'un enfermement, hein. Âme sœur, l'engagement, oh là, amour non réciproque. Moi, je dirais que je vais en remettre une. Hein. J'ai l'impression que vous êtes très attaché à quelqu'un. Ça peut être des personnes qui sont en couple avec quelqu'un. Et voilà, il n'y a plus. Ça n'avance plus. La personne est têtue, on s'accroche à des habitudes. On a du mal à remettre en cause les choses. Il y a des blessures. Et puis, on arrive au bout. On a donné tout ce qu'on pouvait, mais on fait illusion, on fait semblant. Donc, il peut y avoir ça. Ça peut être aussi que vous avez eu l'illusion de croire que. Ben que quelqu'un était vraiment votre âme sœur et que cette personne allait s'engager. Alors, je vous dis pas que cette personne, elle ressent rien du tout pour vous, mais il y a des choses qui sont fausses encore. Et de toute façon, c'est quelqu'un qui, dans ce cas-là, qui n'avance pas, qui est très bloqué. Peut-être qu'il y a des questions d'argent entre vous que cette personne ne vous a pas dites, donc elle ne vous a pas parlé. Alors, est-ce qu'il y a un renouveau
par rapport à certaines situations pour certaines personnes qui peuvent se débloquer. On avait la roue de fortune tout à l'heure, peut-être. Mais si l'amour n'est pas réciproque, aimez-vous d'abord. Moi, je pense que vous avez beaucoup investi d'énergie sur une personne qui vous inspirait, quelqu'un de d'un peu ancré comme ça, hein, d'accord? Quelqu'un de peut-être de stable sur le plan matériel, ça peut être un signe de terre aussi, quelqu'un qui est très connecté à la nature. Mais c'est pas quelqu'un qui sait aimer en fait. C'est quelqu'un qui ne donne pas dans l'engagement, qui n'est pas engagé parce que cette personne ne sait pas s'aimer. Et ça, il faut que vous le ressentiez. Ce qui fait que vous avez tendance à donner peut-être. Voilà. Alors, si c'est une situation passée, il peut y avoir du renouveau. C'est-à-dire, ça repart sur une autre énergie. C'est possible. D'accord? Qu'on s'élève et qu'on voit les choses autrement. Si vous avez réussi à vous aimer d'abord. Voilà, voyez où vous en êtes par rapport à cette personne. Ça peut être ça. Mais si c'est une situation très récente. Et que ça bloque en ce moment, ben, c'est qu'il y a autre chose ailleurs à vivre. Si vous croyez. Je vais en remettre une, mais je vois bien ce que ça veut me dire. Dans les prochains mois. Voilà, c'est ça. Donc j'ai vraiment l'impression, c'est ça. Si vous voulez, je pense que si vous avez une foi terrible dans cette situation et que vous êtes paré à toute épreuve, pareil à attendre pendant des mois, des années peut-être, hein. Ça peut être ça. Hein. C'est pour ça que je vous dis attention. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un avec qui il peut y avoir un renouveau dans les prochains mois, si vraiment vous avez cette constance d'être toujours là malgré tout, malgré la difficulté. C'est possible. Mais dites-vous bien quand même que c'est quelqu'un de difficile, c'est quelqu'un d'extrêmement difficile. Donc, est-ce que cette personne va vraiment vous rendre heureuse? D'accord? Donc, la priorité, c'est que vous puissiez vous aimer. Parce que cette personne, elle ne saura pas vous aimer pleinement. Jamais. Elle ne saura pas faire. Elle ne s'aime déjà pas. D'accord? C'est quelqu'un qui ne s'aime pas assez. Donc, peut-être que cette personne va évoluer avec le temps et sans doute aller mieux. Et peut-être qu'il peut y avoir un renouveau énergétique. D'accord? Où on trouve une harmonie, où on trouve quelque chose. C'est possible. Mais c'est une situation qui est très difficile. Et qui, je vais vous dire, qui dans un premier temps n'est pas souhaitable. Ne vous accrochez pas à ça. D'accord? Parce qu'elle va vous empêcher cette situation de vivre autre chose. Et c'est en vivant autre chose que vous allez pouvoir vous aimer. D'accord? Si cette personne ne sait pas vous donner de l'amour, vous avez autre chose à vivre avant. D'accord? Il y aura d'autres personnes qui sauront vous montrer vos qualités. Et vous allez vous aimer progressivement. Bon. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, cette situation, vous l'avez vécue depuis longtemps. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, vous savez très très bien de qui je vous parle, c'est quelqu'un avec qui vous êtes connecté depuis un moment, ça n'avance pas ou ça avance. Mais malgré tout, le lien est toujours là. D'accord? Le lien est toujours là. Et alors, peut-être qu'on espère toujours quelque chose. D'accord? C'est comme rester en arrière-plan. On s'est fait du mal, hein? On s'est fait beaucoup de mal. On a été dans le superficiel dans cette relation. Il y a eu des choses extrêmement superficielles où on s'est blessé. Mais peut-être que dans ce cas-là, si vous avez vécu autre chose, que vous avez retrouvé, vous, une harmonie, une stabilité, une structure, peut-être qu'il y a une possibilité pour régénérer l'énergie, faire un nouveau départ par rapport à cette personne. Alors, sans doute pas la relation que vous aviez imaginée au départ, hein, faut pas rêver non plus, hein. Mais voilà, peut-être que si vous y croyez tellement fort, il peut y avoir quelque chose de nouveau. Mais je vous dis, je pense que faudra pas espérer, à mon avis, avec cette personne quelque chose. Faudra se donner de l'air, en fait, avec cette personne, je pense. C'est quelqu'un qu'il faudra pas essayer de perturber, à qui il faudra rien imposer. Vous voyez, sur l'engagement, sur. Voilà, faudra pas attendre des déclarations d'amour de cette personne. Elle ne saura pas faire. Voilà, ça ne veut pas dire qu'elle ne tiendra pas à vous. Hein. Mais voilà, c'est quelqu'un de difficile. Je vous embrasse fort, j'espère que ce tirage vous a parlé.
Et je vous souhaite évidemment une très belle semaine. D'accord? À tout bientôt. Ciao, ciao.